Ma mère disait, n'essaye pas de posséder, c'est inutile, tu perds ton temps. Essaye plutôt la gratitude pour chaque minute qui passe. J'ai 95 ans, j'enseigne en principe la philosophie, j'enseigne la sculpture, la peinture, le vitrail, la musique d'orgue. Tout ce que je sais dans ma vie, j'ai toujours appris de l'extérieur. Et là, cet extérieur, c'était Venise, où j'ai appris deux choses, l'art de la mosaïque, plus le vitrail. Oui. Tu as le temps de faire une petite pause et de venir prendre un café? Ah, mais c'est une excellente idée. J'arrive en 5 minutes. Paul cherchait quelqu'un pour écrire sa biographie. Donc il m'a contactée et on a décidé que je viendrais pour une dizaine de jours pour qu'on puisse parler de ce projet, qu'on puisse voir comment le concrétiser. Et moi, je terminais des études de lettres, donc c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, ces 10 jours se sont transformés en 35 ans. Ce qui m'a séduite chez Paul, en fait, c'est son sens de la cohérence et en même temps aussi son ouverture à la surprise, à l'étonnement. Je suis né en 1923 en Hollande. C'était un grand château où j'ai vu le jour. Ma mère était très éduquée, pianiste, elle était philosophe aussi. Et elle a côtoyé, au fond, le monde artistique et de penseurs aussi, d'écrivains européens. Mon père était également, du reste, musicien, parce qu'il y avait un grand orgue là, et il jouait le soir souvent. Et je me rappelle toujours la phrase qui me soufflait à l'oreille, à 6 ans déjà, « Seule la beauté sauvera le monde ». Ma mère ajoutait, « Mais c'est pas avec la religion que le monde sera sauvé, en tout cas ». Avec la guerre, mes parents se sont retrouvés en Suisse. J'étais étudiant en médecine. Ça, j'ai vite changé parce que tout à coup, on était ruinés. Et avec notre dernier argent, j'ai acheté 4 chèvres. J'ai appris à traire les chèvres et surtout à faire des petits fromages, que je réussissais fort bien. Et à dos de mulet, je descendais à Montreux chaque vendredi vendre mes petites tonnes de fromage au marché de Montreux. C'était le début d'une vie très artisanale. J'ai découvert un jour, pendant mes promenades en montagne, cette vieille bâtisse abandonnée et je l'ai achetée pour une bouchée de pain au fond parce qu'elle était complètement isolée et en ruine. Paul a absolument tout construit, qu'il s'agisse des fenêtres, qu'il s'agisse des vitraux, qu'il s'agisse des meubles, des lampes, tout a été fait par lui. Comment on fait toute une maison? Il faut savoir travailler avec la pierre, avec le bois. Mais où est-ce qu'on apprend ça? Eh bien, nous y voilà, on atterrit dans les monastères. Et j'ai été accepté très vite quand je proposais de réparer tel mur, tel endroit, tel escalier, telle chose, où j'apprenais en même temps, tout en travaillant bien, à perfectionner mes facultés avec mes mains, de les utiliser. J'ai mis quand même 24 ans à peu près pour la transformer en une habitation et que je voulais qu'elle devienne aussi un sorte de centre où je pourrais recevoir des personnes pour communiquer la valeur de la beauté. La beauté fait défaut trop souvent, selon moi, et elle est si importante. Parce que justement, on ne peut pas la posséder. Lorsque je suis arrivée au Liboson, en découvrant tout cet univers et en découvrant aussi le chevalet de peinture, le matériel qu'il y avait sur place, ça m'a donné envie de peindre. Entre Paul et moi, il y a une stimulation perpétuelle. En fait, il y a toujours un qui a une idée et l'autre va suivre, et ce n'est jamais le même. Ce qui fait qu'il y a cet équilibre entre les deux. La crypte a été au fond construite à cause de cette statue, très belle copie, qu'on a trouvée par hasard pendant un voyage. Il y avait un problème où la placer, et aucun endroit dans toute cette maison n'était assez digne d'elle. Nicole me dit, toi qui as l'habitude de manipuler le marteau-piqueur durant des années pour faire cette maison, t'aurais pas l'idée de faire une petite crypte quelque part dans le sol. Il fallait beaucoup de travail pour sortir 25 000 bidons des gravats qu'elle a sortis de ce trou. la montagne. C'était son travail. Moi, j'étais au marteau-piqueur du matin au soir. Pour la beauté, aucun sacrifice n'est trop grand. Paul m'étonne chaque jour. Il me surprend continuellement. C'est vrai qu'on est un couple atypique, mais en fait, ce qui définit aussi une personne, ce n'est pas la différence d'âge, donc ça compte pas du tout. C'est le fait qu'il y ait une complicité entre deux personnes. C'est une relation qui est bâtie sur l'infinie gratitude qu'on a les deux, chaque jour renouvelée, d'exister ensemble. Ça me rappelle toujours ces soirées longues sous la tente, près de la tente, donc ils font le feu toujours un petit peu. Paul est un grand voyageur, aussi bien en pensée qu'en réalité. Mais on sent le vent froid qui n'est pas loin. Et pour lui, c'est le Sahara qui l'a toujours attiré. Les voyages les plus fréquents que j'ai faits, c'est donc le Sahara. Le Sahara algérien, tunisien, marocain, etc. Chaque année, je passais à peu près 4 mois au désert, quand même, avec les nomades. Pour voyager à l'époque, il a transformé un petit bus en installant un atelier d'horlogerie, ce qui lui permettait à la fois de voyager et de gagner sa vie en réparant des réveils, des montres. J'avais d'innombrables réveils que j'ai réparés, qui ne marchaient plus à cause du sable. Et j'étais invité royalement chez les nomades, dans la famille, comme un des leurs. Que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Perse, en Iran, j'ai fait tous ces déserts tout en dépensant rien. Ah, ça c'est la petite garmienne. Voilà, là c'est marqué nomade. On avait noté hiver 51-52. Oui, que j'ai rencontré dans le désert. Ça, c'était en Algérie. Oui. Hein. En Algérie, là, en Algérie avec Garnier. J'étais près de ces nomades, et puis voilà, toute une histoire où, tout à coup, elle a pu visiter sa grand-mère de l'autre côté du Sahara, mais ça faisait un long trajet. Elle est restée 10 mois avec moi pour faire ce grand périple. Alors voilà, elle est là avec le chat, etc. Il y a toujours un chat quelque part. Et les pigeons aussi. Et puis le pigeon qui était dressé, qui suivait la voiture. Rappelle-moi le nom de tes pigeons, ils avaient un nom. Lafa et Moulé et Latifa, voilà. Moulé et Latifa. J'avais le rêve, j'étais dans le désert avec les nomades. Donc il y avait la communion humaine qui était là et dans la solitude du désert. Cette sobreté de la nature qui ressemble beaucoup à ce que j'aimais déjà en Suisse, les glaciers, et la haute montagne. La nature est surtout intéressante quand elle devient impitoyable. Dans cette vie-là, j'ai fait beaucoup de choses dangereuses. Le danger, c'est une des bases de ma philosophie, parce que l'être humain progresse le mieux dans l'incertitude que dans la certitude. C'est quand on est tout à fait sûr d'une chose qu'on s'endort. Mon premier voyage vers l'Inde, en partant d'ici, il fallait 2 mois entiers pour arriver jusqu'à la frontière de l'Inde. J'étais le premier arrivé en tant que touriste en Inde, en voiture. J'étais le premier après la guerre quand même. – 55. – 55, ah oui, donc c'est le premier voyage en Inde. – Le premier voyage en Inde, alors. J'ai eu beaucoup de journaux hindous qui ont parlé de moi. – Ah, ça y est, oui, tu as raison. – Voilà, Globe Charter in City, en anglais évidemment, oui. Tout ça. Il y en a plusieurs du reste. Hein. Ah, ça c'est pas mal, San Francisco. Voilà, oui. Histoire d'un philosophe dans son bus qui a fait 150 000 kilomètres. Oui. Oui, évidemment, ils avaient pas tort. J'adore cette photo, en fait. J'adore cette photo. Ce qui me chagrine un peu dans la vie, en voyant la plupart des gens, c'est qu'ils se comportent comme si c'était normal de vivre là. Pour moi, c'est un sujet d'étonnement constant. Quand je me lève à chaque jour que je me lève, je me dis, mais non de non, quelle étrange chose que j'existe au fond, que je suis conscient de regarder par la fenêtre. C'est énorme, c'est incroyable pour moi. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment ça va? Bien, bien. Avec ce temps magnifique. Tu veux t'asseoir là, Paul? Voilà. Moi j'ai entendu hier un chevreuil aboyer déjà dans la forêt, donc ils ont l'air de remonter. Toi tu l'as vu peut-être parce que ça avait l'air de venir d'ici. Alors normalement il se trouve derrière toi là, mais oui. Je ne les ai pas entendus ni vus. Enfin, il y en a beaucoup. Hein. C'est sympathique dans la vallée de vivre avec ces animaux. Ah oui, alors là... Paul, j'ai entendu un reportage à la radio qui disait que Zarathoustra avait écrit que lorsqu'il voyait un papillon voler, il avait la joie des dieux en lui. Est-ce que c'est exact? C'est exactement ça. C'est l'éloge du moment présent. Plutôt conscient. tout le temps perdre son temps avec des espoirs qui posent sur des illusions. Ce n'est pas le futur dans un paradis, ça n'a aucune importance, mais c'est le présent. Ah, c'est le moment présent. Paul, ça fait 45 ans que je le connais. C'est un personnage qui est déjà hors du commun, qui vit dans un monde différent que le mien, mais on arrive à se comprendre, mais avec une complicité muette un peu. Et puis autrement, c'est un personnage qui est très difficile à saisir. Encore maintenant, après autant de temps, j'arrive pas à saisir complètement ce personnage. Mais je sais que lui, il a complètement maîtrisé le temps. On dirait que chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est toujours incroyable et parfait. Et moi, j'appelle ça maîtriser le temps parce qu'il faut beaucoup de temps pour faire de la perfection. Paul a cette capacité incroyable de pouvoir, quand il entreprend quelque chose, de lui donner une âme, de lui donner quelque chose de plus, de magique. Au fond, je pars d'un sentiment qui est très important pour moi, c'est la fascination. Toute cette maison, j'aurais jamais bâti pour moi-même cette maison, surtout si grande avec autant de choses. Mais je savais que je pouvais partager la fascination avec d'autres, parce que justement, toute la valeur est dans la transmission. Il y a certains philosophes de l'Inde qui ont dit une jolie phrase, « On devient ce qu'on pense ». Ben exactement, c'est ce que j'ai fait. Je pense que je suis capable, donc je le suis. Quand on pense toujours qu'on est un ver de terre, on le devient à la fin. On tient au fond le destin dans sa propre main. J'ai pas la peur de la mort. Vu que je suis pas mort, j'ai pas besoin d'y penser. Et si je suis mort, j'ai pas l'occasion d'y penser non plus. Donc elle ne sert à rien d'y penser du tout. Elle me concerne pas. To read in the Bible, it ain't necessarily so.